Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur YouTube. Aujourd'hui, on va faire un petit vlog et on va tester la Washi X et tout ça avec mon petit Canon FTBQL. Donc, on va y aller. Aujourd'hui, on est à la Grande Motte. On va rejoindre des copains. On va vlogger et on va faire plein de photos. Vous verrez ça au fur et à mesure dans la vidéo. Il n'y aura pas trop de voix dans la vidéo parce qu'il y a beaucoup de vent. Donc, on y va. C'est parti. Go! Bon les gars, je suis avec deux photographes, je vous laisse vous présenter. Hello, vas-y tu commences. Je m'appelle Enguerrand Thibon, je fais de la photo depuis 6 ans et depuis 2 ans beaucoup d'argentique. Vous avez une chaîne YouTube en fait. Voilà, oui, c'est vrai. Vous allez voir, c'est Point de vue tout attaché sur YouTube du coup. Et pour me présenter, moi je m'appelle Sam, ça va faire bientôt un an que je fais de la photo argentique. Et on va shooter la Washi X aujourd'hui du coup. Par contre, moi j'ai une portrait à finir, je suis à 22 poses. Je vais essayer de faire vite et après charger la Washi. Voilà, donc je vous laisse, je vous mets en description leur Instagram et leur chaîne YouTube pour aller voir un petit peu ce qu'ils font. Et c'est vraiment quali. Allez, okay. Let's go! Bon, vous shootez avec quoi alors? Moi, le Minolta X500 avec un objectif 35-70. Ouais. On laisse un peu le choix. Ouais, comme on a vu là pour. Voilà. Potentiellement pour l'oiseau, ouais. Et après, il me reste deux photos pour mettre la Washi X. Je suis toujours pas. Toujours pas commencé. Toujours pas commencé. Ok. Et toi? Moi, j'ai un Canon E1 programme. Ouais. Avec un télé 70-210. Ok. Parce que j'aime bien écraser mes fonds, mes arrière-plans et vraiment isoler un sujet. Okay. Bon, ça va, c'est assez polyvalent et au cas où j'ai un 28 mm si je veux faire de l'archi. Donc ça va. Je suis bien équipé, normalement je peux faire un peu tout ce que je veux. Ouais, c'est assez polyvalent là. C'est ça, ouais. Exactement. Top, top. Et toi, du coup, t'as sorti quoi? Moi, c'est un petit Canon FTBQL avec un 50 ou un 28 mm. T'as connu le connais bien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Le 28 mm, on me l'a offert. C'est cadeau, ouais. Ce qu'on prie que c'est, voilà. Et t'as pas un autre petit PS pour une shoot? Ah, si, ouais, génial. Là, je vous le montre, hop, la caméra. Oh, faut le sortir. Le bijou. Celui-ci, Olympus Mew 2, 35 mm. Le bijou de poche. Le bijou de poche, voilà. Très cool aussi. Alors, j'ai quelques photos à faire ici, mais bon, pas trop quand même. C'est vraiment. Ouais, il m'en reste plus qu'une affaire là-dessus. Ouais. Bon les amis, on a une nouvelle personne qui est présente, c'est Adrien.
bien ça? Ouais, c'est ça. Ok, donc tu peux nous présenter qu'est-ce que tu utilises comme, comme appareil aujourd'hui? Du coup, j'ai un petit Leica M6, apparemment ça fait un peu la mode, ouais. Avec un petit objectif de voyage qui se plie, qui sera pratique. C'est un objectif à baïonnette qu'on fait. Ouais. Et puis voilà, aujourd'hui je suis sur une Washi X. Jamais fait encore. Ouais, bah, tout le monde teste en ce moment. Tout le monde teste, j'ai l'impression. Ouais. On va pouvoir comparer. voilà, quoi. Super. Ça va, pas trop compliqué quand même s'il n'y a pas trop de lumière, vous en sortez? Non. Non. Le désespoir. Non. Ouais, ça va avec. T'as 14 donc c'est bon. Hein, avec 14, ouais, nickel. Après, elles sont peut-être toutes floues, hein, tu vois. Mais ouais, faut pas. Faut... Bien exposé. Ouais. Ça, c'est sûr. Bon, moi, vous voyez, je suis carrément 30 photos déjà faites. On m'en sort plutôt bien. Vous voyez déjà le résultat hein, dans la vidéo, donc bon, j'espère que c'est pas mal. Salut, à plus. Ouais, ciao Michel, ciao. C'était cool. Ouais, super. Ouais. Merci à toi. Bonne sortie, bien éclaté. Ah bah voilà. On va voir le rendu, bah vous l'avez déjà vu, je pense. Ouais, voilà, ils l'ont déjà vu, mais on va le découvrir. À plus. Merci pour l'invite. Merci à toi d'être venu aussi, c'était cool. Vraiment pas mal cette Washi X, qui a un rendu de fou dessus. Ah, vous êtes là, vous? Ah bah salut tout le monde, bah je suis désolé, j'arrive là, j'étais... Waouh, j'espère que vous avez aimé le rendu de la Washi X. Allez, ciao. Non, plus sérieusement, par quoi commencer? Premièrement, je vous le dis, mes photos ont été très peu retouchées pour avoir une authenticité réelle de cette Washi X. La Washi X est une pellicule qui a été développée entre 2010 et 2012, qui a été vendue et à partir de ces années-là, après, a disparu complètement pour revenir au mois d'août dernier 2022. Il faut savoir que cette entreprise est française. Cocorico, les amis Games, c'est quand même exceptionnel. Ensuite, les amis, dans cette vidéo, je ne parlerai pas des caractéristiques techniques de la pellicule. Je laisse plutôt un lien à regarder en fin de vidéo qui va vers Nicolas Petit de Capteur Argentique. Et lui, il a fait une vidéo très détaillée sur la distorsion, sur les latitudes, sur la colorimétrie. Ici, je vais vous dire maintenant seulement mes ressentis positifs et négatifs sur cette pellicule. Alors, c'est parti. Premièrement, ce que j'ai aimé dans cette pellicule, c'est ses tons orangés vintage. C'est ce qu'on retrouve un petit peu dans les photos vieillissantes de nos parents, nos grands-parents, parce que bon, la qualité de l'image n'était pas forcément bonne, donc surtout ça rendait ce petit côté orangé qu'on aime bien des années 60-70. Ça, c'est un grand kiff, vraiment un grand kiff. Ensuite, dans cette pellicule, on peut avoir plusieurs choses. Donc, je vous montre en même temps des photos. Hop, c'est parti, vous voyez une photo, une de mes photos. Voilà, ce que j'aime bien, c'est une autre façon de voir en fait, hein, avec des bleus assez profonds sur certaines vues avec le ciel. Les couleurs sont plus lisses et plus dorées à comparaison à la Gold de Kodak. Mais vraiment pour ma part, c'est cette partie de douceur qui en ressort sur pratiquement tous mes clichés. La Washi X s'en sort plutôt bien, même avec les nuages prédominants, à savoir qu'elle est limitée à 100 ASA. Donc ce jour-là, nous avons testé avec un temps changeant. Elle n'est certes pas trop polyvalente, mais elle fait le job en temps légèrement nuageux entremêlé de belles lumières. Aussi, sur certaines photos, les détails sont pas trop dominants, et ça me gêne un petit peu, mais je vais en parler dans la partie négative.
Ce que je n'aime pas sur la Washi X, c'est que les contrastes ne sont pas assez présents. A contrario de l'Hectar 100 que j'utilise au quotidien, où là on voit vraiment beaucoup plus de détails, beaucoup plus de profondeur sur les couleurs, là c'est un petit peu... c'est moyen. Alors je ne sais pas si je continuerai à shooter avec cette pellicule, à voir dans le temps. Je vous montre maintenant une nouvelle photo ou plusieurs photos de mon ressenti avec ces points négatifs. Voilà, vous commencez à voir donc les premières photos. La couleur verte est un peu trop surréaliste, mais aussi c'est ce que fait la pellicule en fait. Elle est faite pour ça, elle est faite pour avoir des couleurs un petit peu orangées, rouges et autres. Mais c'est pas forcément ce que je recherche personnellement. Certes, elle fait son job avec la plage, où le sable doré est bien représenté, et les arbres d'automne aussi sur la partie orange, que vous voyez actuellement un petit diaporama. Et la partie que moi je suis encore un petit peu dubitatif, c'est les reflets bleus sur les bâtiments, ils sont pas du tout présents. Et les bâtiments en soi sont assez fades, donc pas forcément contrastés avec les détails à mon goût. De toute manière, il en faut pour tous les goûts, il y a tellement de pellicules présentes sur le marché, donc... Ça, c'est que mon simple avis, à vous de tester, à vous de voir si la Washi X convient ou pas à votre utilisation au quotidien. Cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée. Je remercie encore Enguerrand, Sam et Adrien d'être venus en balade avec moi à la Grande Motte. On a tous testé la Washi X, c'est vraiment incroyable, on était pas sûr quoi, on s'est dit ouais, on va tous tester, ben ouais, allez, c'est parti, on y va, on va tester la Washi X. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à les suivre sur Instagram, les liens sont dans la description pour tous les trois. Et aussi Enguerrand et Sam pour leur chaîne YouTube Point de Vue qui sortiront aussi une vidéo ou qui ont sorti déjà une vidéo sur la Washi X. Et pour moi, je vous retrouve très bientôt sur YouTube. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like et surtout à vous abonner pour les prochaines vidéos qui arriveront très bientôt sur YouTube. Et sur ce, faites de la photographie